Donc j'ai fait une grève de la faim par rapport à ça, et puis par rapport au, voilà, pour aussi alerter les autorités de santé sur ce grave problème. Et donc suite à cette grève de la faim, il y a aussi 100 médecins qui se sont mobilisés, qui ont tiré la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a rien qui a été fait. Les médecins sont toujours poursuivis. On n'a aucune prise en charge de nos traitements. Voilà, on n'a aucune reconnaissance. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé un plan de lutte contre la maladie de Lyme et contre les maladies vectorielatiques avec toute une série de mesures. Voilà, c'était des très beaux sur le papier. Sauf que aujourd'hui, on est 9 mois après. Et concrètement, le quotidien des malades n'a pas changé. On s'est aperçu depuis déjà un petit moment que ces agents pathogènes étaient responsables de beaucoup d'erreurs de diagnostic. Voilà, on a aussi appris qu'il y avait 1 million de nouveaux cas par an en Europe. Donc c'est tout simplement énorme. Énorme. Le 5 avril, donc à 10h, je planterai ma tente devant le ministère des Affaires sociales et de la Santé et je ne l'enlèverai pas tant qu'une annonce publique n'aura pas été faite sur cette épidémie et tant que les autorités de santé n'auront pas pris les mesures nécessaires face à cette épidémie. Voilà. Merci.